On va voir si vous avez déjà bien suivi mes vidéos. Quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il fait froid, quand on n'a pas le moral, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Voilà. C'est bon, vous avez suivi. Mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En même temps, c'est ce qu'on fait dans chacune de mes vidéos. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Je suis à Levallois. Et je vais aller tester un resto qui m'a été conseillé sur Snapchat par un abonné ou une abonnée, du coup je sais même pas, parce que sur Snapchat on n'a pas les vrais noms quoi. C'est quelqu'un qui s'appelle Wazizou et qui m'a dit qu'il y avait un resto à Levallois qui proposait une formule pâte à volonté et même pizza à volonté. Mais bon, pizza à volonté j'ai déjà fait à la Courneuve, à l'Etna, souvenez-vous. Donc là je vais tester les pastas à volonté et pour cela j'ai convié mon ami DJ Jasm, Jimmy Azmorpheus, parce que samedi soir il fait une grosse soirée à Aulnay-sous-Bois. D'ailleurs j'y serai si vous voulez venir, c'est uniquement en pré-vente donc vous pouvez toujours réserver hein. C'est mon poteau donc voilà, c'est normal, je fais un petit peu de promo. Vous allez sur le site soiréeanthologie90.com et vous pouvez pré-réserver votre place. Vous avez toutes les infos dessus et j'espère vous retrouver. On dansera ensemble sur du son des années 90 et 2000 samedi soir, donc soyez là et allez dès maintenant sur le site pour réserver. Bref, comme il prépare sa soirée, faut qu'il mange bien. Les pâtes, c'est des sucres lents, tu vois. Faut pas qu'il fasse d'hypoglycémie et tout ça. Donc je le prépare dès ce soir et je vais lui faire manger des pastas à volonté. Normalement, il va me rejoindre dans pas longtemps. Il est à scooter, il fait pas beau. J'espère qu'il aura pas trop galéré à venir. Bon, la question du jour sera, est-ce que Jimmy Azmorpheus aura du retard? Et si oui, combien de temps de retard aura-t-il? À vos pronostics dans les commentaires. Et le voilà, le gaillard. C'est bien toi? Attends, je vérifie. Si ça se trouve, je parle à quelqu'un que je connais pas, si ça se trouve. Non, c'est lui, je le reconnais. Ah là là, ça va ou quoi? Ouais, comment? Ça roule et toi? Ah ouais. Ça roule? Ouais. Donc, pour ceux qui ont fait le jeu des pronostics, parce que j'ai lancé le jeu du retard. Ouais. La bonne réponse était 20 minutes. Ouais, 20 minutes. Non mais on s'en fout, c'est pas grave. 20 minutes. Une chose est sûre, à la soirée samedi soir, il sera à l'heure. Ah, ça c'est clair. Sinon moi je serai à l'heure, donc au pire je prends les platines. Voilà, tu gères. Je viendrai avec un petit baladeur MP3, un iPod comme à l'époque. À l'époque, ouais. Le Walkman. Je viendrai avec des cassettes. Voilà, des cassettes audio et des CD. Et je vous mixerai ça vite fait, bien fait, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas on va bien manger. Ouais. J'attendais devant le resto là et je sentais la bonne odeur de la pasta. Ah bon, on va se mettre bien alors, c'est cool. Je sais pas, j'avais envie de pâtes ce soir. Donc, c'est pour ça que je lui ai proposé et il a dit oui. Ouais, ouais. Et voilà. Moi je veux bien manger, hein. Ça le fait. Donc en fait, comme écrit ici dessus, pâte à volonté, on compose son plat. Commencez par deux petites portions de pâte au choix et on recommande autant de fois qu'on veut à partir de la carte. Ils font la même chose avec les pitas. 18,90 par personne. C'est moins cher que l'Etna. L'Etna c'est 20 euros. Ouais, et nos amis de l'Etna, à la Courneuve. On a trouvé moins cher. Et donc voilà, et alors, il y a plein de sortes de pâtes. En fait, on choisit la sorte de pâte qu'on veut. La sorte, et puis il te faut aussi. Et la sauce. Ouais. Tout à fait. C'est rigatoni, tagliatelle, rigatoni, salut spaghetti. Ah, en fait, il faut des propositions. Ouais, tout à fait. Moi, je vais suivre les propositions. En fonction de la sauce, ils disent quelle pâte va le mieux avec. Ouais. Ok. Diablo. Moi, je vais commencer tagliatelle Diablo. Sauce tomate, crème fraîche, poivre et chorizo. Je pense que je ferai rigatoni gratiné, parce que ça a l'air blindé. Et si j'arrive à finir ça et à prendre une deuxième derrière, c'est que je suis costaud. Mais en fait, je crois qu'ils disent qu'on peut commencer en choisissant deux, ils séparent en deux les assiettes. Ah, pas mal. À ce moment-là, je prends carbonara et Diablo. Si on peut faire ça. Avec Diablo, c'est pas mal. On va voir ça, on va faire ça. Ça, c'est les rigatoni gratinés, c'est ça? Exactement. Il y a quoi dedans? Alors, que je dise pas de bêtises, je crois qu'il y avait de la viande hachée. Ouais. Il y a du gruyère. Quatre fromages. Quatre fromages, c'est toi aussi. Diabolo. Diabolo, génial. Oh là là, ça va être beau ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il vous plaît? Viande hachée, oui. Sauce tomate, oui. Fromage, et voilà. Et des pennes. Et le tour est joué. Merci. Ben voilà, c'est ça. Et ça, donc, ça c'était 4 fromages. C'est 4 fromages. Moi déjà, là j'aimais Diablo avec du chorizo dedans, de la crème, de la sauce tomate et tout ça. C'est en tagliatelle. Et j'attends mes carbonara. C'est ça. Et ça, c'est que les premières assiettes. Hein. À chaque fois, ça vient deux par deux, tu vois. Et voici le carbonara. Ah, génial. Ah, de la vraie carbonara avec l'œuf au milieu. Merci. Bon, ça y est, c'est parti pour la pasta. Yeah, ah, tu vas. Tu commences avec les 4 fromages. Mm. Franchement, c'est trop bien parce que, alors, il y a des gens qui disent ouais, les pâtes, on peut se les faire soi-même. Mais là, ici, c'est des pâtes fraîches.
Il y a différentes sortes de pâtes. Chez toi, t'as pas à la fois des rigatoni, des tagliatelles, des penne, des machins. Voilà. Et quand tu fais une sauce, t'en fais pas 50, quoi. Voilà, tout à fait. Et là, du coup, c'est vrai qu'en général, moi, je suis toujours très frustré au restaurant italien quand je prends des pâtes. C'est pour ça que j'en prends rarement, parce que il y en a jamais assez pour moi. Mais non, je suis d'accord. Ouais. Tu vas dans n'importe quel restaurant un peu italien, machin, t'as une petite pâte. Ouais. Et ben, ils te demandent 15 euros. Ouais, 15 euros. Tandis que là, tu payes 18 euros, donc c'est quand même un prix, bon, pour des pâtes, mais tu en manges autant que tu veux. Alors, combien allons-nous en manger? Ça, je sais pas encore, mais là, je vais commencer avec mon assiette de carbonara et mon assiette de Diablo, là. Je pense que ça va le faire. Et ton truc gratiné, il me donne bien envie pour après. Hein. Ben oui, c'est ça. Moi, je me suis dit, je commence tout de suite par le truc de dingue. Parce que si j'ai plus de place, ouais, j'aurais été déçu. Au moins, tu l'auras fait. Je sais. Je vais vous dire tout de suite. C'est chaud. Ouais, c'est ça le truc, avec les trucs gratinés, c'est toujours chaud. Eh, mais la pâte là, la rigatoni, la bonne grosse pâte comme on aime, hein. Ça a l'air trop bien. Mmh. Ouais, on y va, c'est parti. Pasta à volonté, première assiette. Moi, j'ai jamais su rouler avec la fourchette là. Mais là, il y a tout le plat qui vient là du coup. Moi, en général, je fais un truc qu'il faut surtout pas faire. Je coupe les pâtes. Et il paraît que c'est sacrilège quand on fait ça. Blasphème. Ouais. C'est blasphème. C'est pour ça que moi, je prends des rigatoni comme ça. Je suis bien. Ouais, on y va. Hein. Méthode façon Florian. Avec le chorizo. Ouais, c'est trop bon. Le mélange crème sauce tomate, trop bon. Assiette validée pour moi, je passe à la carbonara avec l'œuf. Et ce que j'adore, c'est le moment où on fait ça. Ça fait partie des plus beaux paysages de la vie. Les pâtes avec l'œuf qui coulent. Et franchement, ils ont pas lésiné sur les lardons. Ouais, c'est bien. Ouais. Et ben voilà, deuxième assiette pour moi. Toi, ça en est où là? Ouais, j'en ai fini une, là, c'est le 4 fromages. Et la gratinée. Toi, t'as pris que des trucs trop stockmat dès le début, quoi. Voilà. Que des trucs avec du fromage. Des trucs blindance. Moi, je vais prendre la carte pour voir ce que je prends après, mais ça, déjà, je vais prendre. Là, ça, c'est très bon. Je confirme, c'est très bon. Ça fait du bien. Vous avez faim? Ça commence à passer. Bon, j'ai encore bien faim. Toi, ça va aussi? Moi, ça va, je suis encore bien. Mais le truc, c'est que comme ils les font au fur et à mesure, hein, pâte fraîche, machin et tout, on risque d'attendre un petit peu à chaque fois. Et c'est ça qui est traître. Parce que quand on attend, bon, on cherche pas à battre un record, hein, mais bon, j'aimerais bien en déguster un maximum pour avoir le goût d'un maximum de pâtes. Et quand on attend longtemps entre chaque, c'est là où le sentiment de satiété arrive. Exactement. Voilà. Je n'aurais pas le midi. Voilà. merci. Bref, la suite arrive et ça va être pas mal. J'en ai prise avec aubergine, viande hachée, tout ça. Et j'en ai pris aussi ce que tu as pris, la rigatoni gratinée. Hein. Je pense que ça va le faire. C'est ça. Aubergine, super. Et ça y est, ça arrive là. Ça y est, cette fois-ci, elle est pour moi, celle-là. Rigatoni gratiné. Si, seigneur. Et celle-ci, primavera, viande hachée, aubergine. Non, c'est la corona. La norma. Et toi, la primavera, c'est quoi? Bah, moi, c'est principalement du végétal. Ah ouais, d'accord. Champignons, aubergine, des légumes. Ok. Voilà. Et l'autre, c'est celle que j'ai prise avec le chorizo. Exactement, la Diablo. La Diablo. La regardez-moi ça. Rigatoni gratiné. Il y a de la viande hachée aussi là-dedans, c'est ça? Oui. Et du fromage. Et regardez-moi cette belle pâte. Ça, c'est de la belle pâte, par contre. Waouh, ça fume de ouf. Hein. Ouais, c'est chaud. Tu te brûles avec ça. Normal, c'est dans un poêlon, là. Tu te refais le palais, mais c'est bon. C'est quoi, le Diablo de la primavera? Je préfère de loin la sauce du Diablo, le chorizo est meilleur. Là, c'est un petit peu... C'est plus basique. Plus basique, voire presque fade. Donc c'est bien d'avoir les deux pour comparer. Voilà, parce que là, il y a vraiment du goût, il y a quelque chose qui ressort. Là, celui-là, bon, tu te nourris, c'est pas mauvais, mais c'est pas... Quelle idée de prendre un truc végétarien, franchement. Ouais, je me suis dit, il faut changer, j'ai pris un truc fat avant. Ouais, t'as raison. Non, il n'y a pas de secret, plus il y a de fromage, plus c'est bon. Ah,
bah troisième assiette, ça passe très très bien cette petite assiette de rigatoni. Hein. Ouais, moi tu m'impressionnes, moi je galère. Moi. Tu galères? Ah bon? Là je vais passer à celle à l'aubergine, en plus j'adore l'aubergine, vous savez. Et elle va me faire bien plaisir cette petite assiette de pasta à l'aubergine, quatrième assiette. Petit peu de parmesan, hein. Tout petit peu. Et voilà pour ma quatrième assiette de pâtes, qui est très bien passée. Pendant ce temps-là, du côté de monsieur DJ Jazz, ça dit quoi? Ça dit que je mange les deux en même temps, que je parle beaucoup. Mais que et très bavard, très bavard. Très bavard. Mais j'avoue aussi que je suis bien calé quand même, donc j'y vais doucement. Moi, je vais aller reprendre le menu pour voir ma prochaine assiette, ce que je vais prendre. Bah quoi, bah oui. On a dit à volonté ou pas? C'est à volonté. Je suis désolé, je me force même pas, je veux pas faire de concours. Mais c'est juste que j'ai une petite faim ce soir. Je suis obligé de vous dire en direct que je me suis de là-bas. t'arrêtes toujours avant moi, c'était pareil, souvenez-vous de la pizza à volonté à l'époque, il s'était arrêté une pizza avant moi. Non mais là je suis bien, rien à voir avec la pizza, hein. C'est beaucoup plus simple. Et puis il y a eu des bonnes aubergines, les pâtes à l'aubergine, à la viande hachée, c'était une tuerie. À la norme, ça s'appelait. Et alors que monsieur, on est toujours à ces mêmes assiettes, moi je reçois les 4 fromages, regarde, il y a même un vrai morceau de fromage là, et saumon, spaghetti, non, linguine saumon. Et ça c'est rigatoni fromage, c'est ça? Oui, rigatoni, c'est rigatoni, comme ça, rigatoni, 4 fromages. Yes, 4 fromages. Et puis je vais compter les fromages, là je vois il y a genre du gorgonzola j'imagine, il y a du... Enfin je sais pas quels sont les fromages, mais ça va le faire. Regarde-moi ça là. Bon, ça c'était la cinquième assiette, il me semble, hein? C'est ça, cinquième. Ouais. Bon, on va manger la sixième au saumon. Elle est trop bon, au fromage en tout cas. Et celle-ci, ouais. Et là, on va goûter les linguinés au saumon. Pâte au saumon, pas mauvaise. Il y a quelques morceaux de saumon comme ça. C'est pas, je crois, mon préféré de tout temps. J'ai fait honneur. Ah, clairement. Ouais. T'as tout, comment dire, tout flingué. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je ne prends pas de dessert après mes 6 assiettes. Je m'arrête là. Mais mon ami dit déjà, ça me prend le café gourmand. Eh oui, je prends le café gourmand comme ça, du coup. C'est pour ça que tu t'es réservé. Un petit peu. J'avoue, j'aime bien les petits cafés gourmands. Surtout que là, en plus, il y a tout. Il y a la panna cotta, la mousse au chocolat et tiramisu. Voilà. Il manque juste un petit beurre. Mais sinon, c'est parfait. Bon, bah, ça remplacera tes deux assiettes de pâtes que t'as pas prises. Exactement. Et là, je note un petit détail parce que j'ai l'habitude des cafés gourmands. Et là, je suis obligé de le noter. Ils m'ont donné la cuillère à café, la vraie. Et la cuillère à gourmandise. Et la cuillère à gourmandise. Ah, c'est ça. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Bon, on a bien mangé. Je vous avoue que là, mes 6 assiettes, je commence à les sentir un petit peu dans mon ventre. Ah, bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon. C'est où? T'es garé où? T'es là? Moi, je suis juste là. Nous allons traverser. Allons-y. En direct live. Donc voilà, on veut mettre... Tu valides ou pas le resto, là? Ah oui, moi, je valide. Hein, franchement, très bon. Merci à mon abonné qui m'avait envoyé via Snapchat l'adresse de ce resto. J'avoue qu'à la base, c'est le côté pâte à volonté qui m'avait attiré. Oui. Ils font aussi des pizzas à volonté, donc c'est 18,90 la formule. Et vous mangez tout ce que vous voulez. Et puis sinon, ils ont aussi des plats normaux, des trucs. Bon, du coup, on n'a pas testé. Non, j'ai vu qu'il y avait un risotto là qui me tentait, mais ah ouais. À tester. À tester une prochaine fois. En tout cas, c'est à Levallois que ça se passe. Je vous mets toutes les infos dans la description. Je vous mets aussi dans la barre d'infos l'endroit pour réserver vos places là. Ah pour... oui. Ah oui, t'as oublié, t'as une soirée. Non, j'ai pas oublié. Mais samedi, j'ai oublié soir, de t'en parler. Samedi soir, Aulnay-sous-Bois. Yes. Soirée année 90-2000. Ça s'appelle Anthologie 90 avec DJ Jasmine ici présent. Oui. C'est moi qui vais commencer à envoyer le son et qui vais le finir aussi d'ailleurs. Et en fait, alors, je vais faire toute la soirée. Ouais. Pendant qu'on mangeait, tu m'as dit qu'en fait, parce que j'ai dit que c'était que sur pré-vente. C'est ça. Mais tu m'as dit qu'il y aurait aussi des places sur place, mais vaut mieux prendre les pré-ventes parce que du coup, ce sera plus cher comme à chaque fois. Eh bah oui, voilà. En fait, l'idée, c'est que 15€, c'est en pré-vente. Et si vous venez sur place, on ne va pas vous jeter en l'air. Mais on va vous demander de payer 20€. Voilà. Donc, vaut mieux que vous réserviez votre place dès maintenant. Et si vous prenez vos pré-ventes, bah, les pré-ventes se terminent vendredi à 19h. Ah oui. Vendredi 13. Donc là, si on est jeudi, si vous nous regardez avant vendredi 19h, vous pouvez encore acheter les préventes. Sinon, il faudra aller sur place et ce sera 20€ voilà. Samedi 14 janvier. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Le lien de la soirée anthologie90.com, là, voilà. Et tout ce qu'il faut, il faut. Voilà. C'est la petite avec page. Un accent et...
petite page de pub, mais c'est pour mon poteau DJ Jasm. Et je serai là, hein. Yes. Alors venez, je sais que vous allez pas venir pour moi, mais au moins on pourra danser ensemble. Bah oui. Sur des bons sons à l'ancienne, et ça fera plaisir. Exactement. Voilà. Merci à vous. Merci DJ Jasm. À très vite. Merci à vous de m'avoir regardé. Petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est Florian Honner.